Le BAF, c'est un festival de cinéma documentaire qui s'intéresse aux films sur les artistes, sur les créateurs, les créatrices et sur leurs pratiques. On projette, on programme des films sur des musiciens, des musiciennes, des architectes, des cinéastes aussi, des peintres, des sculpteurs, sculptrices. Donc voilà, tout ce qui concerne la création artistique peut être programmé durant le festival. Et chaque année, en fait, on reçoit plus de 100 films sur l'art en Belgique. Et pour un petit pays, plus de 100 films, c'est beaucoup. Cette année, on en a reçu 117. Avec un comité de sélection, on a décidé d'en programmer 13. 13 qui ont été faits, réalisés par 10 réalisatrices et 7 réalisateurs. Plein de films internationaux, des rencontres, des films pour les enfants. Donc voilà, ça peut concerner vraiment tous les publics. Les points forts cette année sont deux rencontres exceptionnelles. La première, c'est une rencontre avec Mathieu Amalric. Mathieu Amalric, il est connu surtout pour ses films de fiction, mais il s'intéresse également aux documentaires et il s'intéresse aux films sur l'art puisque depuis des années, il filme son ami musicien américain qui s'appelle John Zorn, qui est un musicien de jazz bien connu, qui est déjà venu d'ailleurs à Bruxelles. Et donc Mathieu Amalric sera à Beaux-Arts le 11 novembre à 18h pour une rencontre exceptionnelle et puis une sorte de marathon cinématographique sur le jazz, puisqu'on passera ces trois films sur John Zorn. Et la deuxième rencontre, c'est une rencontre avec Gilles Thomas, qui est alors quelqu'un de moins connu que Mathieu Amalric, mais qui depuis des années filme le processus artistique, surtout des peintres. Et il sera entouré de deux peintres vraiment magnifiques à la Cinémathèque, aussi le vendredi 11 novembre dans l'après-midi. Donc nous organisons une programmation de trois de ces films et il sera entouré de Charlotte Bravi qui vient de France et de Bao Vuong qui est un peintre franco-vietnamien qui vit à Bruxelles. Le BAF aura lieu du 10 au 13 novembre. C'est 4 jours donc de programmation dans trois salles différentes, à Beaux-Arts, à Cinémathèque et à Lieselpe. Alors le BAF a lieu essentiellement à Bruxelles, mais il va être aussi délocalisé en Flandre et en Wallonie, donc à Mons et à Anvers, puisqu'évidemment le BAF s'intéresse aux deux communautés linguistiques. On passe des films du côté néerlandophone et francophone. Le BAF a organisé une compétition nationale. On offre trois prix au film et le jury cette année est composé de trois personnes. L'artiste Rokia Bamba, qui est une artiste du son, une militante bien connue des scènes bruxelloises. La cinéaste Laetitia Michaels, qui est une documentariste et qui avait d'ailleurs gagné le Grand Prix du BAF en 2019 pour un film magnifique qui parlait de Jacques Brel. Et puis le troisième jury, c'est un commissaire d'exposition qui s'appelle Andrea Sinel et qui travaille plutôt du côté néerlandophone.